Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, je vais vous passer une vidéo qui a été roulée, donc je me répète en temps réel au cabinet. Je vous le dis, je vous passe le message immédiatement. Si vous prenez un traitement diurétique pour la tension, il ne faut jamais l'associer avec des anti-inflammatoires. Voici le message important. Si vous êtes diabétique, il ne faut pas prendre de fluvastatine, et ça s'appelle Crestor. Okay? Ça aggrave. C'est ça le message. Ça fait exactement, je vois, 27 secondes. Maintenant, si vous voulez des explications, vous regardez ce qui suit. Et si vous voulez voir ma crise de colère en temps réel, filmée par la fille de la patiente, regardez encore plus loin. Mais le message est simple. J'envoie, je me répète, un message à tous les professionnels de santé. Vous, mes chers fans, vous transmettez à vos docteurs. Vous lui écrivez. Ne pas mélanger les diurétiques et les anti-inflammatoires, ibuprofène, Feldène, Voltaren, Perosa. Il y a beaucoup de médecins dans le monde qui ne le savent pas. Sauf les néphrologues, ils sont très fâchés quand ils voient ça. Voici le message, chers amis, ça dure 1 minute et 11 secondes. Maintenant, si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème, vous allez voir ma crise de colère et mes explications. Allez, je me répète souvent, c'est le soir, je suis fatigué. Je vous laisse. Chers amis, bonsoir. Je rentre de la clinique là, excusez-moi. Oh là là, j'ai gardé ma casquette. Excusez-moi. Je rentre de la clinique après avoir vu mes patients de la journée. Je suis allé faire un petit tour et je n'ai pas voulu, comme d'habitude, aller me reposer sans vous faire part de mes réflexions et de vous exposer la souffrance humaine et la folie humaine de nos jours. Cette planète, chers amis, c'est une planète qui court à sa perte si on ne fait pas quelque chose. Il faut absolument faire quelque chose. Et comme je vous l'ai toujours dit, ça part du fond de nous-mêmes. C'est à nous-mêmes qu'il faut opérer le changement. Comment? L'exemple des quelques vidéos que j'ai prises en temps réel sont très instructifs, chers amis. Je les prends en temps réel parce que là, il y a l'émotionnel, il y a la sincérité, il y a la colère. Si on le fait à froid avec des scripts, vous savez, des écritures, ça perd toute sa valeur, ça devient tout simplement de la froideur intellectuelle. Mais là, je vais vous présenter le cas de cette patiente qui vient me voir de loin parce que sa fille a dû voir mes vidéos concernant les troubles de rythme cardiaque. Voici son histoire. Elle a vu d'autres cardiologues. On lui a prescrit des antiarythmiques. OK? Mais mes chers collègues, ils n'ont pas regardé son traitement, ce qu'elle prend pour associer les antiarythmiques. Alors, regardez, si je vous montre là ces ordonnances, je cache le nom éventuellement. Là, elle a au moins 15 médicaments donnés par le généraliste, les diabétologues, le rhumatologue, le gastro-entérologue. Écoutez-moi bien, c'est très simple son histoire. C'est une petite femme gentille de 1,50 m. Elle a eu plusieurs grossesses. Et je vais vous raconter, c'est vraiment passionnant que les maladies, la vie actuelle, c'est souvent un manque de art de vivre, je le répète, et surtout des relations compliquées intrafamiliales. C'est la mère et la fille, les enfants, les collègues de travail. C'est relationnel. C'est de la psychopathologie de la relation. Et voyez-vous, je peux vous en parler pendant des heures. Si vous êtes passionné, c'est l'histoire du soir, n'est-ce pas? Bon, on commence par quel bout vous voulez. La mère où la fille se sont culpabilisées entre elles. La mère dit, depuis ma dernière grossesse, j'ai eu ma scoliose. Vous savez ce que c'est la scoliose, hein? C'est les dents, les gens qui sont comme ça, qui sont tordus. Six faux scoliose. Ils sont tordus. Vous connaissez le bossu de Notre-Dame. Et la fille, la pauvre,
Elle dit oui, c'est ma mère. Depuis ma naissance, elle a eu la scoliose et la kyphose. Et depuis, elle est malade. Et depuis, elle a une jambe plus courte que l'autre, elle boite. Elle a mal ceci, mal au genou, mal cela. Elle va voir les rhumatologues. On lui fout des anti-inflammatoires. Bon, écoutez-moi bien. Donc, déjà, voyez. Je regarde le temps parce que si en un quart d'heure, je ne peux pas vraiment vous dire tout cela. On revient à nos moutons. Donc, la fille, elle dit, attends, un médicament de plus, on va voir, demander un deuxième avis. Je regarde, je vois que cette patiente est traitée, comme je vous l'ai dit, elle a 15 médicaments. Ça commence par la glande thyroïde et un médicament, le lévothyrox, pour accélérer le cœur. Elle a des médicaments pour l'hypertension artérielle, des diurétiques, des 3 ou 4 antihypertenseurs. Elle a 30 kilos en trop. Presque un sac de ciment dans le ventre. Elle se balade avec un sac de ciment, cher ami. Sac de ciment dans le ventre ici. Donc, eh ben, elle a le diabète. Il faut de l'insuline, il faut des glucophages. Voyez-vous l'enchaînement. Ben, il est normal qu'avec tout ça, elle a un petit reflux gastrique. Elle a la gastrite, perturbation de la flore intestinale. Donc, on lui donne des antiacides. Il y a le poids, ça use les cartilages, elle a un peu d'arthrose. Elle va voir le rhumatologue. Le rhumatologue prescrit ibuprofène, Falden, machin, sans regarder tout ce qu'elle prend. Chaque spécialiste, il s'en fout de l'autre. Bouffez ça, tu as de l'arthrose, bouffe des anti-inflammatoires. Tu as du diabète, bouffe de l'insuline. Tu as de l'arythmie cardiaque, bouffe des anti-arythmiques. Mais il n'y a pas de vision. Au pire, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le médecin de famille? Il la regarde. Il la regarde, certainement, il a dû lui dire, écoutez, madame, toutes vos histoires, c'est les 30, 40 kilos en trop que vous portez. Bon, mais l'être humain, chers amis, je suis un être humain. L'être humain, il est faible, paresseux. Il n'est pas motivé pour faire les efforts. Et pourquoi? Parce qu'il ne sait pas pourquoi il est sur Terre, d'où on vient, où on va. Alors on s'accroche aux religions, aux philosophies. Eh bien, cette patiente, en plus, à la fin de la consultation, après avoir passé 40 minutes, est-ce que ma mère peut faire le jeûne? Quelle que soit la religion. Les chrétiens font le carême, nos amis, ils font, les musulmans font le ramadan, les autres font... Chacun fait. Bon, écoute, je vous avais dit que... Adorer Dieu, la divinité, c'est tous les jours, dans chaque acte, à chaque instant de votre vie. Ce n'est pas un mois par an. On va à l'église le dimanche, et après, dans la semaine, on va taper sur son confrère, ou on va insulter, on va voler, on va corrompre les autres, et le dimanche, on va à l'église. On prendra l'hostie pour nous bénir, ou les autres vont prier. Non, la prière, l'adoration, c'est tous les jours, à chaque instant. Alors, elle va faire le ramadan, et elle a 15 médicaments, chers amis. Et là, vous allez voir comment je me suis mis en colère. Le ramadan ou les jeûnes, le carême, c'est à chaque instant. Pas de régime. Et si on applique les recommandations, déjà, de nos pères, des prêtres, des religions, déjà, on peut maigrir. Je vous montrerai les vidéos que j'ai faites sur maigrir sans yo-yo. Et j'ai mis en place une nouvelle technologie pour maigrir. C'est l'intelligence par l'empathie. Je vous indiquerai les vidéos. Je vois que le temps passe. Je suis déjà à 8 minutes. Donc, je résume. Le but, le message à transmettre, à vous transmettre dans cette vidéo, c'est très important. C'est de ne pas mélanger les médicaments. Même le médecin de famille ou le spécialiste qui vous donne un traitement, il s'en fout du reste, il ne regarde même pas. Parfois, certains regardent. C'est-à-dire, quand le rhumatologue prescrit un anti-inflammatoire, ça ne le regarde pas si la patiente prend des diurétiques ou des antihypertenseurs. Le patient fait confiance, bien sûr, il va bouffer son anti-inflammatoire avec le traitement qu'il a. C'est très important ça, écoutez-moi bien. Quand je dis aux patients, mais c'est interdit d'associer les anti-inflammatoires et les diurétiques, c'est grave. J'ai eu des cas où les patients ont atterri en dialyse rénale ou d'autres dans le coma. Il y en a un qui est sous dialyse. C'est interdit de faire des associations
avec le traitement pour la tension, quand il y a des diurétiques ou des inhibiteurs d'enzymes de conversion ou les Zartan, c'est interdit, c'est écrit sur la notice. Mais le patient, écoutez-moi bien, le patient, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais docteur, moi je ne savais pas. C'est le docteur qui me l'a prescrit. Il sait que ce que je prends. Mais attends, je dis, attendez, c'est sûr que comme dans une classe, tous les docteurs n'ont pas la même instruction, n'ont pas la même expérience. Il y en a, je suis désolé de le dire, et je peux le dire à des milliers de médecins en France et ailleurs dans le monde, ce que beaucoup de médecins ne savent pas, qu'il faut pas associer des diurétiques et des anti-inflammatoires. Je défie 1 000 médecins. Chers amis, demandez à votre entourage, à vos parents. Soyez attentifs. N'associez pas les diurétiques et les anti-inflammatoires. OK? Je dirais pour une autre catastrophe, j'en ai déjà parlé. C'est le fameux Crestor, là, chez les diabétiques. Cette fameuse molécule, la fluvastatine, appelée Crestor, j'ai le nom comme le nom de médicament à la base, aggrave les diabètes. Ça, c'est d'autres associations. Mais le patient me dit, mais docteur, c'est le médecin qui me l'a donné. Oui, mais le médecin qui te l'a donné, est-ce que tu lui as dit que tu prends d'autres médicaments? Est-ce que même certains médecins, je le répète, parfois ils se fâchent. Oui, il y a des généralistes qui se fâchent que le docteur, ce cardiologue, arrête mon traitement. Il y a même des psychiatres, chers amis. J'ai vu un psychiatre folle là. Ici, il y a un médicament contre les psychoses, machin. Il ralentit le cœur, il fait des blocs dans le cœur. J'ai dit à la patiente, attendez, soit vous continuez votre psychotrope et on va vous mettre une pile, soit on diminue le médicament et on ne met pas la pile. La psychiatre me téléphone ou il dit à la patiente, vous savez ce qu'il dit à la patiente? Ne voyez plus ce cardiologue parce qu'il arrête mon traitement, son traitement psychiatrique. J'ai entendu. La psychiatre voulait qu'on continue le médicament et on met une pile dans le cœur pour qu'elle supporte les médicaments. C'est de la folie, chers amis, c'est de la folie. Et le malade, il est là. Mais toi, pourquoi tu es malade? Pourquoi tu déprimes? Pourquoi tu déprimes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es déprimé? C'est normal, tu déprimes, les psychiatres vont te donner des médicaments. Pourquoi tu fumes des shit? Tu sais que 30% des cas, ça te donne des syndromes bipolaires. Tu es schizo. Pourquoi tu fais ça? Et ensuite, tu vas voir le médecin. C'est quoi ce jeu? Bon, vous allez voir mes colères. Et je mets du bois, hein, comme disent certains fans. Je ne critique pas, chers amis. Mais je pense que le malade est responsable de beaucoup là-dessus. Pourquoi tu vas voir le médecin et tu as 40 kilos en trop? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le médecin? Ben, le médecin, il va te donner des pilules dans des boîtes. C'est tout. Il ne peut pas te mettre ton scoliose, ni ton kyphose, ni te faire perdre 30 kilos dans son cabinet. Donc, les deux sont responsables. Mais je pense que le patient aussi en endosse pas mal. Sauf certains maladies que, bien sûr, ils ne sont pas sous notre contrôle. Mais je parle, attention, des maladies de surcharge. D'accord? Les maladies de surcharge. Bon, ça y est, j'ai vidé ma coupe. Je vais vous passer la vidéo en temps réel et vous allez voir. Chers amis, bonjour. Une petite vidéo en temps réel et en présence des patients pour que ça serve comme avertissement à tous et à toutes les patients qui prennent des antihypertenseurs et des diurétiques. Ces médicaments, à part et ensemble, ça va très bien pour l'hypertension, pour le cœur. OK? Seulement, les patients avec l'âge, ils ont un peu mal au dos ici, un peu d'arthrose là, un peu d'arthrose là, ils ont mal ceci, ils ont mal cela, ils vont voir le docteur tout de suite. Ah, tout de suite, le docteur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le docteur? Oui. Et il va te donner des anti-inflammatoires. Mais les anti-inflammatoires, chers amis, ils suppriment le message douloureux. Donc, les patients prennent des anti-inflammatoires, ils sont soulagés, ils vont courir plus vite, ils vont faire plus d'efforts, ils aggravent leur cas parce qu'il n'y a plus de message qui avertit le corps comme quoi qu'attends, je suis fatigué. Et en plus, c'est un message important.
il faut jamais, jamais prendre des anti-inflammatoires par la bouche avec un traitement pour l'hypertension artérielle. C'est grave, c'est très grave parce qu'on détruit les reins. En France, cette notion d'associer des anti-inflammatoires non stéroïdiens, type Falden, tout ce que vous voulez, ibuprofène, à 2 euros le comprimé, on a souvent tendance à associer ces deux médicaments, diurétiques, antihypertenseurs et anti-inflammatoires. Et en plus, ils ont l'hélicobactère pylori dans l'estomac, ils ont déjà des gastrites. Alors là, on rentre dans un circuit, dans un ouragan thérapeutique avec des effets secondaires. OK ? Et la finalité de tout cela, c'est quoi ? Eh bien, on perturbe l'homéostasie de l'organisme, on crée des effets secondaires et le cœur commence à palpiter. Et ils arrivent chez le cardiologue. Voilà. Et maintenant, ils ont déjà vu des cardiologues pour ça. L'autre cardiologue va donner des antiarythmiques. Et où on va là ? Où on va ? Cause, conséquence. On a tout mélangé. Il faut toujours soigner la racine du mal. Alors, la démarche est simple. Il faut dire à la patiente, madame, vous avez 76 ans, vous avez combien de faits enfants ? 5, 6, 9 ? 9 ou 10 ? Voilà. Et c'est normal qu'on ait un peu mal au dos. C'est de l'usure de l'être humain. Donc, il faut perdre un peu du ventre, il faut faire un peu de tai chi chuan, faire de l'exercice, de la kiné, bien respirer, surtout les dents. D'accord ? Et voilà, on ne traite pas la vieillerie et l'usure et l'avancement de l'âge par des anti-inflammatoires. Ok ? Par contre, on peut les traiter par l'élixir de jeunesse. Oui. Et la meilleure élixir de jeunesse, c'est quoi ? C'est la tendresse et l'affection des enfants pour les grands-parents. Il va les détendre au lieu de se crisper. Coupez !